back from the dead. Hey, Upis Magelson, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de la Obscure Clan. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec le gameplay qui nous a été fait par le player Obscure. Jeluko qui m'a lancé une double nucléaire plus 56 secondes et un total de 118 kills non létales sur la map Nuketown à l'aide de Sarah Zorbach. Donc félicitez-le en commentaire et allez vous abonner à sa chaîne qui sera donc en description. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit top 5 des meilleures classes en normal pour réaliser une nucléaire sur Black Ops 3. On commence directement avec la 5ème place qui est donc la classe Manoir, car c'est tout simplement à mes yeux l'arme la plus précise du jeu. Et à cause de sa cadence pas très élevée, viseur et le pour avoir une meilleure précision, car oui, c'est le meilleur diviseur en tout cas à mes yeux. Chargeur grande capacité pour être moins en manque de balles, tir rapide pour avoir plus de chances de gagner des duels face à un ennemi, gros calibre pour commettre plus de dégâts et pour finir cross. On a tous nos euros bien sûr, pillard pour ne pas être en manque de balles et sur cadençage, et en spécialiste le spécialiste fausse. La quatrième place c'est la classe MUTA 7 viseur et le, et oui, encore une fois, chargeur grande capacité, gros calibre, cross accompagné ensuite de C4. Et on a tous sur cadençage et pillard et en spécialiste faux, donc oui, c'est la même classe à peu près, mais la MUTA 7 est quand même meilleure que la Manoir. Après, tout dépend de la jouabilité du player. À la troisième place, nous retrouvons la Kuda, donc l'une des meilleures SMG de Black Ops 3 avec chargeur rapide pour gagner du temps, car le rechargement basique de la Kuda est quand même assez long pour une SMG. Chargeur grande capacité, poignée ergonomique pour bien sûr viser plus rapidement. Accompagné également de C4 et on a tous sur cadençage, main leste et pillard avec le spécialiste faux. À la deuxième place, c'est tout autour de la KN44, car c'est une arme extrêmement précise. Viseur Hello, poignée avant pour une meilleure précision, cross, gros calibre pour plus de dégâts et chargeur grande capacité. À tout, il y aura encore une fois sur cadençage et pillard et le spécialiste faux. Et pour finir ce petit top 5, nous retrouvons la VMP, une magnifique SMG, chargeur rapide, chargeur grande capacité, poignée ergonomique, encore une fois du C4 et on a tous sur cadençage, main leste et pillard et le spécialiste. Donc c'est la fin de ce petit top 5, mais avant de vous dire au revoir, l'Obscure va vous proposer quelque chose d'énorme pour les 5000 abonnés. Vous aurez bien sûr la surprise demain à 20h. Donc ouais les gars, n'hésitez pas à tenter des nukes avec ces classes et dites-nous en commentaire si vous y avez réussi. Et moi je vous dis à la prochaine et ciao bye bye, peace. Hell yeah. From the dead.